Salut à tous, c'est Playsor, on est de retour sur Playsor Gaming pour la suite de notre aventure Millenia. Nous sommes dans l'âge de l'intolérance et nous sommes le tour 148. Voilà, donc dans la précédente session, on avait poutré les Russes. Voilà, on les a pas poutrés complètement, il me semble pas. Je crois pas qu'ils étaient complètement détruits. Voilà, ils sont encore un petit peu là ici. Il y a encore une petite ville là, une petite ville à côté de chez nous. Et quelques petits trucs paumés là ici. Voilà, donc on les avait bien maravés. Hein. On avait plutôt bien géré notre coup. Et du coup, ce qui fait que maintenant on était un peu les meilleurs du continent. Voilà. Et on. Donc, je regarde juste un truc. Est-ce qu'on venait de finir l'âge de la tolérance? Est-ce qu'on est sur la fin ou sur le début? On est sur le début encore. Bon, est-ce qu'on s'est fait shipper l'âge par une autre nation, je crois. C'était ça, je m'en rappelle plus très bien. Il me semble que c'était un truc dans ce goût-là. Voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Hop. Parfait. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, notre empire, donc l'empire ottoman, voilà, donc avec Antakya, qui est une immense ville. Elle a bien sur la forêt et tout. Donc là, on a développé tout ce qui était. Production avec les pierres, enfin le fer et puis et tout. Donc ça, on l'avait conquis aux Russes. Ça c'est une cité-état si je me rappelle bien. Ça aussi, on l'a conquis aux Russes et on a surtout conquis leur capitale qui est ici, Novgorod. Voilà. Ah, ils ont encore une ville là ici. Ok. Cadix, donc ça c'est une cité-état, c'est pareil, j'ai failli la prendre, hein, mais bon, ça sera pour le round d'après. Pourquoi j'ai une terre qui est découverte ici, non? Ah oui, c'est parce que j'avais fait un pouvoir. Ok, donc là, au niveau diplomatie, j'ai rencontré que les Russes et je les ai poutrés. Voilà, eux ils sont encore chasseurs sauvages, hindouisme, donc ils ont fait une religion, moi j'en ai pas fait encore. Alors, je vois ici que l'on a le gouvernement, mais je pense que il faut avoir la culture pour le passer, c'est ça. Ok, donc dans 6 tours. En culture, on est un peu pourri par contre. Hein. Après, on a dû perdre tout notre temps à faire la guerre, donc. On va lancer le tour suivant. Voilà, donc là, du coup, on a du chaos, forcément. Donc je vais payer. C'est comme je sors d'une guerre, j'ai pas envie de me taper des rebelles en plus. Voilà. Alors, on va faire le point sur les armées. Donc toi, tu vas rester là. Ah, et on avait fait l'âge des héros, c'est vrai. Je m'en rappelle de ça. Toi, tu vas aller là, du coup. Voilà, ça va le monter. Donc de le monter, je le monte. Ça c'est à nous, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, lui il devait. C'est pour aller faire les explorations. Lui je l'ai envoyé en bas, il me semble. Pour aller explorer ça ici. Toi tu es bien là. Hop, voilà. Izmir. Hop. Et lui elle est ici, c'est bien ça. Voilà. Alors. En domaine, on a pris dynastie impériale, naturaliste, machinerie. Voilà, jusque-là, rien de bien compliqué. Les forêts et tout ce qui est fer, tout ça. Trébuchet, tour horloge. Tour horloge, c'est du luxe, je crois. Ouais, c'est ça. Les bricoleurs, c'est les lingots en machine. Le point d'aménagement. Ok. Au niveau de la boue, des trucs. On a deux lingots ici. J'ai 4 fer en surplus encore. Ça serait... Ah mais j'ai plus de... Ok. Bon, on va continuer tout doucement. On va pas commencer à s'enflammer. Il y a une galère contre une bête. Non mais ils sont cons quoi. Récompense d'option de religion. La récompense de la religion, hein.
Ok. Ah, est-ce que j'ai pas de... Gérer l'agitation, c'est nouveau ça? L'agitation religieuse. Ça alors? Parce que du coup maintenant j'ai... Attends, on a combien ici? Naturaliste, il est complet. Ok, donc je peux utiliser les points pour faire les explorations justement. Hop. Alors, plus 30, 10% de succès, 20% de succès. On va prendre ça. Hop. Non, ça je les garde les points d'ingénierie. Alors, en taquillant, arbalète, on va repasser en mode P, comme je dis toujours. Grand théâtre. Il n'y a pas de quai en taquillant. On va faire ça du coup. Ah non, parce que j'ai pas d'accès à la mer, donc j'ai pas de quai. J'ai encore deux charbons ici. Deux charbons et deux fers là ici. Là c'est pareil, j'ai deux charbons, trois charbons, deux fers. J'ai fini une ville par là, c'est pour récupérer les deux là ici. Ça je m'en rappelle. Et eux, ils jouent la provoque jusqu'au bout, tu sais. Bon, au niveau des effectifs, je crois que toutes mes armées elles sont là-bas. On n'est pas ici. Après tout, il veut jouer la provoque. Et je vais déglinguer son armée et c'est tout. Hop. Oui, aucun souci. Tu veux jouer, tu vas perdre. Y a aucun problème avec ça. Alors, apparition de chercheurs de fer. Donc là, je pense que le plus intéressant, ça serait de faire bricoleur. Mais ça prend du temps. Hein. Je suis à combien par tour? 5 par tour. Ouais. Il y en a pour un petit moment, effectivement. Alors, au niveau de l'Empire. Alors, j'ai plus 10, 5. Mais j'ai moins 15 de régions, parce que j'ai trop de régions. J'en ai une, deux, trois, quatre. Quatre. Et encore, je suis sauvé avec Novgorod qui m'en donne quand même. Ah non. Ok, on va continuer. Il me reste plus que trois tours. Salut Derry, comment tu vas? Alors j'espère que j'ai réglé mon petit problème de son parce que la dernière fois c'était un peu fort. Ah oui, c'est ce que je viens de le poutrer, c'est vrai. Hop. Non, c'est plus une bêta. Il est sorti en 1.0 dans l'été, je crois, pendant l'été, il me semble. Ou même avant, même au mois d'avril. Avril-mai. Enfin moi là le jeu il est en mode bêta testeur. Parce que j'ai testé le mode multi. Avec mon poteau Naiox. Mais sinon non le jeu il est en 1.0 déjà. Ah je peux pas attaquer le. Ça, attendez, je peux pas aller dans la jungle encore, c'est quoi ce bordel? Les bugs avec les bâtiments cassés, c'est-à-dire. T'avais des bâtiments cassés. Moi j'ai pas de bugs dans le jeu. Et puis ça fait déjà la quatrième partie que je fais. Ok, ça c'est bon. Oh, ça fait chier. Je suis à 60% là. Il n'y avait pas de... Ah bon? Ah je savais pas. Bah ils ont dû changer là parce que... J'en ai moi maintenant.
J'en ai des notifications, donc ça a dû être changé. Ok. Je sais pas comment j'ai fait pour vaincre le russe avec une armée aussi faible. Franchement. C'est quoi ça ici d'ailleurs? Ah ouais, je pense qu'ils ont dû régler parce que j'en ai des notifications. Donc toi, tu vas rester là. Toi. Je suis à 80% là ici. On va prendre, c'est tous nos bons non plus, 50%. Aucun effet, non, ça je le garde. Voilà. Alors, Bagdad. Où est Bagdad, déjà pour commencer? Je crois qu'elle est ici. Donc ça, c'est une région que j'avais lancée parce que je voulais récupérer le marbre qui est ici. Ok. Conseil plus un savoir. Allez, hop. Facile à faire ça. Je vais pouvoir enfin faire la révolution pacifique. Ouais, on va déjà finir ça. Alors, du coup, 70%. Attends, je vais utiliser mon pouvoir culturel avant. Ah putain, je peux plus. Bon, tant pis. Bon, sûr, j'ai raté. Donc, au moins, c'est fait. Hop. Révolution pacifique. Alors, nous en avons trois. Empire, monarchie féodale, république. Donc empire. Ah, c'est trop tard ça, j'ai déjà pris la capitale. Plus 30 cultures. Ah bah non, je suis con, les capitales, c'est pas les capitales de pays, c'est les capitales de région. 50% du coût d'intégration de vassal conquête. Débloque les galions. Alors ça c'est un très bon truc, sachant que vu notre map, je pense qu'on est tout seul sur le continent. Donc les bateaux ils vont être primordiaux. Tout au capital donne l'impression d'exploitation supplémentaire, ok. Bureau du gouverneur, qu'est-ce que c'est? Qui se paie de gouvernement, ok. Moins 1, match à coût de culture par région. Donc ça c'est bien. Je regarde en même temps, plus 1, influence, production, richesse, culture. Ok. Monarchie féodale. Donc ça, c'est plus avec les vassaux, c'est ça. Ouais, ça, c'est plus la partie vassale. Ouais, mais Empire, ça me tente bien. Clairement, et République, je l'ai fait dans une autre partie. Mais c'est plus sur la culture et les arts. Ouais, je prends l'empire. Hop. Voilà. En plus, avec tout ce que j'ai, je pourrais en avoir beaucoup de choses. Après, les galions. J'ai pas encore de port, donc. Ah bah si, j'en ai un là de port. Ici, un seul là. On prend les galions. Intégration de vassal, ok, ça c'est bon. Ça, je vais le prendre parce que, au cas où il faut attaquer les Russes, moi je gagnerai de la culture. Bon, puis français, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, oh, change de succès 30%. Putain, je l'ai eu, grosse blague. Grosse blague. Ok, j'ai encore beaucoup de territoires non découverts sur cette partie. Fin du tour. Ah, il y a même encore un territoire russe là à droite qui est caché dans la brume. Alors 50%. Il faut que j'en commence tout du coup. Ah d'accord. Bon, c'est pas grave. Bah lui du coup il va aller voir par là ce qui se passe, mais je crois qu'il y avait beaucoup de. Ouais, il y avait beaucoup de barbares, c'est pour ça que j'ai pas fait de conquête. Après là, on est en bas de la map de toute façon. Hein. Donc je pense pas qu'il y aura grand chose à découvrir ici. Hein. La forêt sombre ici à les faire aussi.
Saragosse. Moscou. Je crois qu'on avait fait une map à 6 joueurs. Je sais pas où tu peux voir. Attends, je sais pas si tu peux voir la carte. Ah, faut de partie, voilà. Donc, grande. Je crois qu'on avait fait 6 joueurs. Si mes souvenirs sont bons. Mais sur 3 continents. Donc 2, 2, 2. Ça doit être ça. Parce que j'ai voulu faire une map en tout aléatoire, mais. On peut pas dans ce jeu-là. C'est bien dommage. Mais sinon, oui, c'est un peu dommage. Je suis qu'avec les Russes et je les ai déjà défoncés. Donc. Mais ça n'a pas comment merder en même temps. J'ai rien demandé. Alors, palais impérial. Ok. Région active. C'est quoi le bâtiment que tu. Ah, ok, d'accord. Ouais, ça répression d'agitation. Rien que pour ça, ça vaut trop le coup de le mettre. Je pense que toi, t'es la prochaine à passer là. Puis il y a un oracle et tout. Ah oui, c'est sûr que pour se développer, il n'y a pas mieux. Ça, c'est clair et net, la vérité. Alors, du coup, ici, on va faire un peu les régions. Là, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Alors, attends. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a de l'or, du blé, du poisson et du lin. Donc, on peut faire du papier et on peut faire de l'huile et là, de la farine. Après, là, je suis en limite de population, donc. Est-ce qu'il faut que je fasse des habitations? Ah non, il faut juste que je fasse une ville en fait, tout simplement. Ensuite ici, là on va faire une... On va faire comme ça. Hop. Camp de chasse. Hop. Voilà. Lui, c'est de l'assainissement qu'il lui faut. Ok. Ouais, sont dans les. Ce qui est con, c'est que chez les vassaux, tu peux pas faire de bâtiment. Ça, c'est chiant. C'est d'y aller voir quand même ce qui se passe. Ah, il y a une tanière ici, d'accord. Tour de garde. Ah, j'ai que ça, regarde. Regarde. J'en ai beaucoup des minerais ici. Et oui, j'avoue, quand t'as tout ça, avec l'ingénierie, plus tard. Restaurer la neutralité. Non. T'as cherché la guerre, tu l'as. Tu te débrouilles. On a 90%. Hop. Sauf sous ces Russes. Ah, il y a deux tanières ici. Alors. Je suis à plus 11 par tour. Là, ici, il me faut du. Hop, voilà. Antakya aussi, mais. Je sais pas où je vais le mettre, Antakya. Ouais, en fait, c'est la montagne là qui m'emmerde. L'IA est un peu moins agressive. J'avoue, au début, c'était une cata. Hein, au lancement du jeu. Mais là, le jeu, il y a été modé, je pense. Même les barbares, ils sont un peu moins cons. Parce qu'au début, ils te rentraient dans le lard, même quand ils étaient sûrs de perdre. Et là, ils font un peu moins. Et c'est pas possible. Sans déconner.
J'ai pas de bol aujourd'hui. Ok, effectivement, il n'y a rien à voir. J'avais raison. Ah là, je reviens de loin avec les Russes, hein, parce qu'au début, ils étaient assez violents. Mais j'ai réussi à leur tenir tête. Et au final, j'ai gagné. Alors. Non, je vais essayer de pas le perdre lui par contre. Alors, on perd ça. Grand théâtre, c'est de l'XP des arts. Faut l'XP des arts, toutes les parties que j'ai fait. Ok, on va faire pas la périole. Lui s'est tué, ce bah tu vois là je te disais ça puis au final lui s'est tué comme un con sur le sur la ville. Parce que j'ai encore rencontré personne d'autre. Il est encore l'âge des rois lui. Construire une ville détruite, mais j'ai pas de ville détruite normalement. C'est quoi ça? Je sais pas si je l'ai pas normalement, construire une ville détruite. Ils ont pas perdu de ville. Là, il y en a deux. Non, j'ai pas fait. Alors. Là ici j'ai pas mal de choses ici. Du pain, j'ai encore du bois et j'ai surtout encore beaucoup de fer. Est-ce que je peux utiliser du fer? Attends. Fourneau. Un cuivre, un fer en lingot. C'est la production que je cherche à faire, c'est pas du. Un rondin en production. Combien j'ai de rondins ici? 3. En fait, la montagne va m'emmerder ici. Que ça va m'obliger à faire la ville ici. Alors, grâce à une expansion stratégique, l'Empire d'Ottoman est parvenu à spécialiser jusqu'à un emplacement en masse de ressources. Donc, un. En légion de compteur d'échange, un emplacement supplémentaire généré par cette tuile. Ou de l'argent. Alors que je vais prendre ça. Je fais pas de compteur d'échange donc 70%. Alors lui, toi tu vas aller jusqu'à la forêt sombre, mais je sais pas si je vais y arriver sans claquer. Bon, après 74, il devrait pas nous mourir normalement. Alors, ici. On a tout fait. J'en referais bien une petite armée. Non, ouais, j'avoue, sur ça, par contre, pas terrible. Hop. On va faire les trois là. Par contre, dans cette ville-là, après, je vais essayer de faire un galion. J'ai pas, 31. Ah bah oui, j'ai pas monté le port. Je vais pas monter en port. J'ai pas assez de points de d'aménagement encore.
Ah, puis là. Bah, celle-là, c'est moi qui l'ai faite, donc j'ai pas de. J'avais pas encore... Il y avait pas encore le charbon, alors sinon je l'aurais mis le sarlin. Mais celle-là, c'est ce que je me suis préparé des forêts en fait. Puis là, je l'ai senti venir les... le fer, c'est pour ça que je me suis mis là. Après, je sais, à choisir, je l'aurais mis plus par ici. Si j'avais su. Ou là, ici. Mais bon, tant pis. Pour maintenant, c'est fait. Alors là, est-ce qu'on va enfin avoir cette saloperie? Je suis à 90%. On sait pas perdre des points quand même, ça serait con. Oh là. On va laisser se débrouiller avec les barbares, lui. Ah, il y a là qui arrive chez moi. On a peut-être dû laisser quand même un. Toi, retourne là quand même, toi. Alors là. Ah putain, et c'est une grosse blague! 4 fois de suite que je la foire. Pas de bol. Alors. Un pouvoir culturel, on va faire une ville. Je te remercie pour le follow, Derry. Ça fait plaisir. On va la faire là, la ville, parce que là, il faut que ça se développe ici. Par ici. Voilà. Alors pourquoi? Bon, là, j'ai encore la colline. Au cas où, après, il y a des trucs qui apparaissent. Puis sinon, je mettrai de l'or. Et au moins, comme ça, je vais pouvoir avoir ça. Hop, le port. Le port, port. Ah mais j'ai pas encore débloqué la technologie. Ouais, le pétrole, je sais, ouais, c'est pour ça. Toujours jamais construire sur les collines. Bon, dans tous les jeux comme ça, c'est comme ça. Quand je chasse. Peut-être faire ici, tiens. Cuivre de marbre. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, genre, beaucoup de production ici. Et là, il manque quoi ici? De la nourriture, c'est ça? Ok. Et j'en aurai ici quand je vais faire le ranch. Alors, est-ce que je peux déjà envoyer des trucs ailleurs? Mais je ne pense pas. Parce que j'ai pas encore fait les comptoirs. Alors, Antakya, il a fini. C'est quoi? Je vais mettre la production. Voilà, comme ça au moins ça va me faire 34 d'un coup. Il y a beaucoup de production dans cette ville-là. Et pourquoi est-ce qu'ils sont... Ah, ils ont été mis dedans. C'est pas grave. Bon bah recommence encore, hein. Ça me gonfle. Combien là? 28 sur 50. Parce que là, je pense que celle-là va me rapporter masse de choses. Je pense qu'elle va me rapporter masse de choses celle-là. Plus il y a deux villes, le temps de tout reconstruire. Il y a pas mal de production et pas mal de population. Alors le jeu, c'est un très bon 4X, et moi ce que j'adore le plus dedans, c'est la gestion de ça. Tous ces trucs-là, là, ici. Le fait de pouvoir tout contrôler de A à Z en disant que tu vas aller plus dans cet axe-là quand t'as besoin. Genre là, tu vois, là, moi je me suis mass production dans celui-là.
Et le, après, tu repasses, tu peux transférer les trucs d'une région à une autre pour les aider et tout, ça c'est vraiment top. Et c'est ce qui manque à Civilization. Clairement. Après, on verra avec le 7 ce que ça va donner, hein, mais. Genre là, tu vois, là, il manque de la nourriture. Parce que j'ai pas encore développé, débloqué le truc, mais avec lui, je peux lui envoyer, tu vois. Après, là, je vais faire le ranch, ça va débloquer la situation. Voilà. Et c'est ça que j'adore le plus, clairement. Après, sinon, pour le reste, c'est un peu tous les mêmes jeux, hein, comme Humankind et puis. Et les autres, c'est un peu tous la même, tout le temps la même chose. Là, le seul truc qui est dommage, c'est ce que je disais, c'est de ne pas pouvoir faire des maps aléatoires. Parce que moi, j'adore dans les jeux-là faire des maps aléatoires. Traquer, je sais, les animaux. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, alors. Oh putain, mais si j'avais su. Exploitation nationale. Ça c'est intéressant. On va faire les deux là, tiens. De toute façon, à la fin, on les fait tous. Et du coup, est-ce que j'ai. Yes. On va lui envoyer un peu de bouffe à lui. Hop. Ok. Et on va l'envoyer à. Je crois que c'est Bagdad, il me semble. C'est Bagdad hein, qui galère. Voilà, c'est ça. Tu vois, regarde là, hop, plus de 100%. Ça, j'adore. Ah, puis ça aussi, l'aspect des combats, c'est top. Au début, c'était un peu chiant, mais là, ça va mieux. Là. Quand une fois que tu y es fait. Ah, puis le fait de ne pas pouvoir prendre les villes à l'instant T aussi, ça, c'est bien, bien aussi, ça. J'ai vraiment ramené des engins de siège et tout. C'est vraiment plus réaliste sur ça aussi. J'aurais peut-être pas dû claquer tous mes points. Bon, c'est pas grave, ça va aller vite. Ah ouais. J'avoue, on a à peu près la, on doit avoir les mêmes. Les mêmes trucs. Non, trébucher, j'en ai pas besoin pour l'instant. Moi, c'est pareil. Edge of Empire, c'est la base. Les jeux comme ça, c'est la base. Bon, par contre, il y a un autre truc que j'ai pas fait, c'est. Il va falloir que je me décide à prendre une religion aussi. Mais bon, comme il y a la sienne à lui, je pense que je vais lui piquer. Enfin, encore même pas. Aucune religion. Ah, le fait que c'est pas ma religion d'État. La religion, elle disparaît. C'est marrant, ça. C'est marrant, ça. Bon, après, oui, tous les jeux se ressemblent. C'est comme là, j'ai vu, il y a un nouveau jeu, un nouveau qui est sorti, là, sur Steam. Dans le même genre aussi, mais... C'est pareil, Civilization 7, il va être excellent, hein, comme toujours. Mais c'est du... ça a dû réchauffer. À moins que vraiment, il change quelque chose de... Il fasse vraiment quelque chose de cool, de d'innovant, ça va être la même chose. Alors, paye 30 d'ingénierie, non. Hop. Ouais, hop, tant qu'à faire. On va éliminer les menaces. Je me demande si j'ai pas faire un peu de ménage en botch. Bon, après, il faut pas trop non plus s'écarter. Alors, Cognan, elle est où celle-là? Elle est loin celle-là, Cognan. Qu'est-ce que c'est que cette région? Ah, ici. Ici, ils ont besoin de. En soi, ils ont tout. Ils n'ont pas besoin d'avoir de plus. Ils ont tout pour l'instant. On va essayer d'augmenter un peu le. Le savoir parce que c'est pas folichon. Donc machinerie, là ça va me permettre de gagner beaucoup plus de ressources. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des trucs en chasson. C'est pas trop grave ça. Ça se reconstruit. Hop.
Mine profonde, ouais, c'est ça. Parce que j'ai fini la machinerie. Donc on a surtout le haut fourneau. Ok. Donc, navigation, ça c'est le port, hein, c'est ça, on est d'accord? Ok, donc ça c'est la prochaine. Hop. Alors, là il va s'agir de faire le fourneau. Voilà, pour être sûr de ne pas oublier, de ne pas en tromper. 4. Ça pour l'argent. Et j'en avais encore fait un quelque part de fourneau, je crois, non? Là, il va falloir que je fasse un truc pour l'assainissement, là, ici. Bon, après, même si là, il est pas bon. Je suis à 140%, donc bon. Je suis pas en baisse non plus, quoi. 200, 133, là, c'est pareil. Il va falloir faire quelque chose ici. Hop. Aller faire le ménage, au moins que ça je les aurai plus dans les pattes. Puis ça fera gagner de l'XP. Allez, c'est parti. L'XP de guerre, ça me fait chier. On avait toujours besoin de l'XP de guerre. 70%. Succès. Voilà, ça c'est fait. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. Bon, je crois que j'ai étouffé, hein. Il n'y a plus de... Bah écoute, on va finir de visiter la map. Au moins comme ça. Hop, on va aller par ici. On va voir ce qui se passe là-bas. Ah merde, j'ai lancé le tour sans avoir fait d'aménagement. Bon, là c'est qu'il y a une ville. Hop. Et ils rentrent pas, hein. Ils rentrent pas. Ah, un camp barbare ici. Et les Russes qui se battent contre les barbares. Ça c'est fou ça. C'est quoi, j'irais bien mettre mon grain de sel. Oui, je suis un petit peu, je suis casse-couille un peu sur les bords. Mais il s'agirait pas qu'ils augmentent trop et qu'ils tiennent fort. Bon, après, je pense pas qu'ils pourraient me. 25 cultures. Ouais, enfin, j'ai plus besoin de culture que de troupes pour l'instant. Alors. Je suis en train de regarder ce que je peux faire. Parce que là, dans celle-là. J'ai 4 marbres, je peux faire des blocs. Faire de bêtises. Taillerie. Au moins deux déjà. Voilà, comme ça monte un peu la production. Je suis à 25. Plus de richesse. Du papier. C'est la toison, c'est ça? Ouais. J'ai un toison? Pourquoi il me met deux?
Deux toisons. Un mandat en papier. Je réfléchis. Je réfléchis parce que je. Après, si j'en gagne beaucoup des points, c'est pas un souci, mais. C'est j'arrête de pas les gâcher, quoi. Parce que là, ici, il y a encore tellement de choses que je peux faire là. Oh là là. Là, tu sais, tu convertis tout en bois, en rondin. Je vais en avoir 50. Ça, plus le. La minerie. Oh là là. Je pourrais construire n'importe quoi dans cette ville. Je vais peut-être plutôt les faire ici. Parce que là, j'ai 4 fers. Ils ont rasé le camp. Je vois pas pourquoi je restaurerai la neutralité. Alors je peux aller les emmerder un petit peu. Ah, Saint-Pétersbourg, 5. Ok. Ah oui, parce que leur ville sainte, elle est là. Ouais, ils risquent de mat ils risquent de me le détruire, mais bon, tant pis. Alors, utiliser un pouvoir culturel. Religion découverte, bah voilà, tout simplement. Hop, alors. Shintoïsme. Il n'y en a plus qu'une seule. Disponible. Je vais faire mon bon vieux Krabi. Hop. Alors attends, religion personnalisée. Mon bon vieux Krabi. Ah, ils ont mis des nouveaux symboles, chat. Moi, je vais faire le Krabi. On change pas une équipe qui gagne. Hop. Et on va appeler ça le Dom Krabi. Attends, hop, Dom Krabi. Voilà, comme dans chaque partie que je fais. Voilà, donc bricoleur. Hop, ça va transformer tous les hauts fourneaux en bricoleur. Non, c'est l'étape d'après. Voilà, les lingots en machine, 5 points d'aménagement. Mais j'ai plus de place.